bitch shit on my face, I attack that. Bitch shit on my face, I attack that. Yo yeah, yo tout le monde, c'est parti, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'arrivée du chapitre 4. Le chapitre 4 est arrivé, bah va t'arriver sur Fortnite. Donc bah, il va arriver, mais il va arriver. L'annonce a été faite lors de l'événement du trophée des FNCS. Je crois que c'est ça. Il nous l'a été teasé avec une image où il y a marqué Fortnite chapitre 3 fracture conclusion. Bah c'est la conclusion, voilà. Et le thème c'est fracture. Donc il y aura un événement du coup pour cette fin de saison. Aussi on aura aussi dans cette nouvelle saison plein de nouvelles choses, dont une nouvelle map qui s'appellera Asteria ou Asteri pour ceux qui préfèrent. Asteri, je crois que c'est le vrai nom. Donc, cette map s'appelle comme ça. La map du chapitre 4 s'appellera comme ça. Athéna qui était la map du chapitre 1. Apollo qui est la map du chapitre 2. Et Artemis qui est la map du chapitre 3. Et Asteri qui sera la map du chapitre 4. Donc, voilà. Map du chapitre 4, ok. Bon, parce que dans cette nouvelle saison, il y aura des... Donc, il y aura des nouveaux véhicules, des motos. Voilà, comme on a trouvé dans les fichiers du jeu. Des skateboards aussi. Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Alors voici un premier aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le skateboard sur Fortnite. Qui pourrait arriver sur le jeu. Autrement que les overboards, hein. C'est pas la même chose, sauf qu'il y en a qui a des roues et l'autre non. On aura aussi des nouveaux animaux qu'on pourra chevaucher, des animaux volants aussi qui pourraient faire leur apparition dans cette nouvelle saison. Et pour l'instant c'est tout ce qu'on a, et des nouvelles collabs et des nouveaux skins. On sait pas trop comment ça se passera pour le pass de combat, mais voilà. Ce chapitre 3 qui se termine tôt parce qu'il se termine en saison 4, alors que la saison précédente se terminait en 8 saisons, le chapitre 2, et le chapitre 1 qui s'est terminé en 10 saisons. Ça veut dire que tout est possible, c'est à dire qu'une saison peut être arrêtée à la première saison du coup, entre guillemets. Je pense pas que Fortnite y ferait ça. Par contre on peut s'y attendre de tout, parce que là on vient d'y avoir drôle de surprise quand même. Voilà. Donc ce qui nous intéressera le plus dans ce nouveau chapitre et cette nouvelle saison, c'est bien sûr le Creative 2.0. Le Creative 2.0 qui est l'événement le plus attendu, enfin l'événement, la chose la plus attendue par les joueurs de Fortnite. Des petites informations de ce qu'on pourra faire, mais je pense que vous avez peut-être déjà vu des vidéos. On pourra modéliser la map au pixel près. On pourra aussi créer des véhicules, importer des véhicules qu'on pourra conduire, des animaux, des modélisations. Si vous avez une modélisation de vous, bah, vous pourrez l'importer sur Fortnite. Voilà, vous pourrez créer des skins aussi, des véhicules, tout ça. Bon, bah voilà, après vous connaissez. Vous pourrez importer des choses, comme vous le voyez à l'écran. En fait, ce sera du Roblox et Minecraft réunis en Fortnite. Voilà. Donc le Battle Royale sera toujours disponible, hein, bien sûr. Et normalement c'était prévu pour le 5 décembre le Creative 2.0, sauf qu'il a été repoussé à fin janvier parce que je sais pas, ils ont peut-être besoin de temps, tout ça. On sait pas pourquoi, mais on sait qu'il va arriver un peu tard, mais voilà. Il va arriver tout de même, donc ça fait plaisir qu'il arrive bientôt. On avait besoin, parce que Fortnite était un peu mort. Confirmé du style Apex, tout ça. Voilà. Et le chapitre 3, saison 3, se finira par un événement. Dites-moi votre avis de ce qui pourrait se passer dans l'événement de ce fin de chapitre. Parce que j'ai bien sûr regardé des youtubeurs pour faire cette vidéo. Ils seront dans la description. Thomas, LEN, Enchain et Nanas. Vous pouvez aller regarder leurs vidéos parce qu'elles expliquent mieux que moi. Surtout celle de Thomas, elle explique très bien. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y aura, tout ça, toutes les explications avec Apex et les liqueurs, tout ça.
C'est lui qui raconte le mieux, en gros. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, l'abonnement, dites-moi votre avis, et si je dois faire une autre vidéo encore sur le chapitre 4, sur les théories qu'on pourrait avoir. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Oportix. Abonnez-vous, ciao!